Cette semaine pour la capsule 101, on va vous parler de pêche à la mouche pour les gens qui voudraient débuter dans le domaine. Euh, si Dan serait ici, il vous dirait euh, il aimerait plutôt que je parle de mes cinq mouches, mais je vais partir un petit peu euh, en aval de ça, puis on aura la chance de s'en reparler, puis aller plus dans le détail dans des prochaines capsules un peu plus euh, avancées. Je vais vous parler de mon top 3, en fait, trois mouches que vous devez avoir obligatoirement dans votre coffre de pêche à la mouche. Puis ensuite de ça, je vais vous expliquer. Pourquoi ces trois mouches-là? La première, un streamer. La deuxième, une Willy Bogger. Et la troisième, la mouche Miracle, une petite mouche sèche. Les deux premières, pourquoi je choisis dans mon coffre d'avoir un streamer et un Willy Bogger comme première mouche? C'est simple, c'est qu'en tout temps ou presque pendant l'année, vous allez pouvoir retrouver dans le lac ou dans le plan d'eau, vous allez pêcher des petits poissons ou des imitations de sangsues. Évidemment que le domaine de la pêche à la mouche est un peu plus complexe que ça. Il y a des éclosions qui se produisent tout au long de l'été, différentes sortes d'insectes, dépendamment de la température de l'eau, qui vont éclore, ou d'autres insectes qui, qui vont rester tout simplement en deux eaux, des insectes aquatiques. Euh, mais à la base, pour débuter, euh, ce qui est important, ce serait d'avoir dans votre coffre... Le streamer, parce qu'évidemment que des petits poissons, que ce soit un lac qui soit euh, en allopatrie ou en sympatrie, allopatrie veut dire un lac où il y a une seule espèce de poisson dans le plan d'eau, comme par exemple c'est le cas régulièrement chez la truite mouchetée. Euh, évidemment que la truite mouchetée est cannibale, donc d'avoir des imitations euh, de petites truites mouchetées sous forme de streamer dans votre coffre, c'est essentiel. La willybogger, Bogger, comme je vous disais, imitation de sangsues. Pourquoi? Bien parce que la sangsue, on va la retrouver dans le plan d'eau euh, à l'année euh, ou presque. En fait, toute la période estivale, il va y avoir des sangsues dans à peu près tous les lacs. C'est une mouche qui est euh, tout le temps, comme je le disais, que ce soit en début, en milieu ou en fin de saison. Euh, la truite euh, qui va voir passer une sangsue sous ses yeux euh, va se laisser tenter euh, assurément. Et la troisième, c'est la petite mouche miracle. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont peut-être déjà entendu ce mot-là. Pourquoi mot-là? Évidemment qu'on l'appelle « miracle ». C'est que euh, c'est une petite mouche avec un corps de faume euh, et il y en a de toutes les couleurs, évidemment. Moi, je préfère euh, la orange c'est elle que, euh, avec laquelle j'ai vraiment le plus de succès qu'est-ce qu'elle a comme avantage, cette mouche-là, c'est que, comme je disais tantôt, euh, dépendamment de la période de l'été, de la température de l'eau, de l'endroit où vous êtes, du type de fond du lac, que ce soit... Ça peut même être une rivière. Euh, en fait, dépendamment du type de cours d'eau que vous avez, euh, que ce soit un cours d'eau mésotrophe ou oligotrophe, en fait, peu importe le, le genre de lac ou de cours d'eau que vous avez, il va se produire des éclosions pendant l'été. Euh, et puis, pour imiter euh, la plupart de ces insectes-là, comme euh, les nymphes ou les... Peu importe, qui vont sortir de l'eau, qui vont émerger, euh, évidemment que ça prend une panoplie de mouches différentes, de différentes grosseurs, de différentes couleurs, de différents formats, euh, pour être capable euh, d'imiter à la perfection l'éclosion ou l'insecte qui va éclore à ce moment-là. Euh, probablement que la mouche Miracle, euh, c'est la mouche qui peut ressembler un peu à, à, à un peu tous ces insectes-là, sans être parfaite évidemment. Euh, mais euh, quand il y a une éclosion de mouche et que les trucs viennent se nourrir en surface, euh, c'est la mouche à avoir dans votre coffre euh, pour débuter. Donc euh, petite mouche en, 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 avec un corps de faune. Donc les gens qui sont pas habitués de pêcher euh, à la mouche qui débutent et euh, qui veulent pêcher à la sèche. Euh, ça va faciliter la tâche parce qu'évidemment que le corps de faune va euh, euh, améliorer grandement la flottaison euh, de la mouche. Donc, euh, quand on a une mouche euh, sèche d'un autre type qui n'a pas un corps en faune et qu'on débute à la mouche, c'est un peu euh, plus difficile de faire flotter la mouche. Il faut y aller avec délicatesse. Euh, donc, dans le cas de la mouche miracle, euh, c'est un peu moins important. On, est, on réussit à la faire flotter quand même, à la faire travailler à merveille. Donc, en résumé, mon top 3 de mouche pour quelqu'un qui veut débuter la pêche de la truite mouchetée, Streamer, Willy Bugger, Mouche Miracle, avec ça, vous devriez être capable de vous débrouiller et faire un bon bout de chemin.